calling the internet police. Attendez, attendez là! Je veux pas une intro, c'est pas de gamme! Mais attends, je veux pas une intro de Monsieur Tout le Monde qui se prend pour une racaille et qui vit à Saint-Marin du désert, wesh! Allez là, je vais lancer une intro plus classe. Activision présente un tourbillon prêt à tout casser. Développé par Vicarious Visions. Voici Crash Bandicoot. Bonjour mes petites racailles, c'est Pargne le Caïd, et on est y part pour une partie de Crash, une partie en freestyle de Crash N. C'est une trilogie bidule chouette. Allez là, j'ai du mal à parler. Alors ce Crash trilogie, comme indique son nom, comme il indique si fièrement ce jeu, il a trois jeux, c'est trop fou. Et donc du coup, il y a Crash Bandicoot, il y a Crash Bandicoot 2, et Captain Obvious va nous le dire. Quel Crash c'est celui-là ? Crash Bandicoot ! Voilà. Alors oui, Captain Obvious est avec nous. Et on va faire une petite partie du 2. Alors voilà, hein, on dirige cette chose... Cette chose qui essaye d'être aussi classe que moi. Il essaye. Il y arrive pas. Il essaye en vain. C'est un marsupial. Même si je sais pas trop ce que c'est. Et là, il s'impatiente, là. Mais en même temps, hein, je suis du même avec lui. C'est vrai qu'on commence un peu à se faire chier déjà. Quoi ? Mais attends, moi aussi je peux faire ça là, wesh. Attends, mais je vais te montrer la bandicoot de mes fesses là. Vas-y. Yeah. La pose finale. Oh non, c'était misérable. Hein. C'est vrai que j'ai oublié que j'étais animé à la Dragon Ball Super Style. Vaut mieux que je m'arrête là. Bon, tu m'as devancé, Crash. Tu es plus fort que moi, mais... Mais on verra comment ça se passera. Dans un niveau. Alors on va commencer un niveau pif. Je sais pas, on va prendre celui-là. Alors des fois j'ai un peu de mal à supporter ce marsupial. Et bon, je pense que c'est un peu pareil dans votre cas. Donc alors attendez, bouton triangle. Ah oui, ça mène l'inventaire. C'est vrai qu'on a un inventaire dans ce jeu. Ah purée, la pluie elle est trop bien faite là. Ah ouais. Ah ouais, j'ai jamais vu ça, là. Ah, parce que ça fait pas très longtemps que je m'y mets, là, à jouer à des vrais jeux, hein. J'essaye d'améliorer ma culture vidéoludique.
Ah, parce que, hein, à force, les Call of Duty, hein, ça va. Hein. Et les effets, là, ils sont bien plus jolis que dans un Call of. Ah, ça change. Hein. Ah ouais, les animations, ça... Ah, ça déchire. Hein. En tout cas, on peut jouer de différentes manières. On peut jouer avec la croix directionnelle à l'ancienne, comme ils le disent. Ou avec le stick, si vous voulez galérer comme des porcs. En tout cas, je me suis un peu tâté de ce Crash Bandicoot. Donc, bon, vous allez voir un peu ma skill étonnante. Je me débrouille mieux qu'Oliver Plasma et ça se voit. Ah oui, le Bulbuga. Alors, ça, c'est le masque Mojo, là. Qui fait un peu flipper. Et grâce à ce masque, on peut se faire toucher plusieurs fois. Alors si je me fais toucher une fois, je perds le masque. Voilà. Ah ça c'est pas mal, c'est niveau bonus. Ce qui est bien, c'est qu'on perd pas de vie. Et Dieu sait que j'en ai perdu des vies dans les niveaux bonus. Mais bon, vu que je tombe, je perds pas de vie dans les niveaux bonus. Évidemment. On fait que en gagner, c'est fait pour ça les niveaux bonus, hein. Ah là, on récolte des pommes. C'est pas mal. Ah mais bon, moi, je sais plus le nom de ces trucs-là, là. Bon, Oliver Plasma, il fera un vidéo test, hein, un jour, de ce crash. Vous aurez beaucoup plus d'infos par la suite. Ah ouais, ça, c'est les checkpoints. Les checkpoints, les points de contrôle. Je me débrouille plutôt bien. On essaiera de faire un niveau plus difficile après, hein, le niveau du DLC. Alors oui, je suis pas habitué, c'est un DLC gratuit. Je savais pas que ça existait. Alors, vous verrez ça tout à l'heure. Alors je galère déjà. Ah mais regardez-moi cette gueule. Mais il se la pète trop, il veut trop se la jouer là, ce Crash. Bon allez, c'est bon, il m'énerve là. On va finir le niveau et je vais jouer avec sa sœur là, Coco. Ah non, parce que là, c'est pas possible. Il me court sur le haricot, cette bête féroce, là. Allez, vas-y. C'est un personnage qui se la prend trop au sérieux, qui se la pète trop et... Qui fait genre que c'est un beau gosse. Ah, bien fait pour toi, là, tu t'es gamellé, là, comme une merde, comme dans les zaps. C'est beau. Comme dans les zappings. Alors, attendez, on peut changer de personnage. Ah, ça, c'est parfait, je vais pouvoir jouer avec la petite sœur de Crash, Coco, qui est apparue dans Crash 2, il me semble. Ah ouais, je me suis un peu renseigné, hein. Ah d'ailleurs, la copine, c'est dommage qu'on puisse pas jouer avec la copine de Crash. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah là là, sacré pargne. Bon alors, on va choisir un autre niveau. Alors qu'est-ce qu'il y a, Hungage. J'ai un magnifique accent allemand. Ouais, vas-y là. Ah, c'est un troll. Ah oui, c'est vrai, on peut faire ce truc-là aussi. En appuyant sur R1, on peut faire une petite glissade. C'est stylé. On peut faire des tacles dans FIFA, mais là, les tacles, ils sont encore plus stylés. Regardez-moi ça. Ils sont pas très réalistes, mais bon. On est bien dans un jeu cartoonesque. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un espèce de hoverboard là. J'ai du mal à le diriger là. Je pense que ça se voit un petit peu que je joue à la croix directionnelle. Parce qu'il n'y a que 8 directions différentes et on dirait que je suis à moitié constipé. Quand je me dirige. Ah purée, mais il m'a mangé, lui.
En tout cas, vous voyez, hein, c'est très coloré. C'est un jeu qui peut être joué par tout le monde. Affiche-toi. Je dis ça et je me viande comme un vieux cassoulet des îles. Je sais pas d'où ça vient cette phrase. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah j'ai plus que 18 vies là. C'est pas grand chose. Ah mais vas-y là, c'est au millimètre près. Ah je vais m'énerver, je vais commencer à dire des injures. Ah purée, Coco elle a eu le temps de s'acheter au moins 5 PC portables. Ah purée, et là ça va être le 6ème. Ah ça fait chier. Ah checkpoint. Ah c'est vraiment bien, c'est les checkpoints. Ah ouais, on peut accélérer. Ah c'est fou. Faire des figures. Ah, je me la joue à la Bryce Dona style. C'est trop stylé. Ah ok, c'est ça. Ça me semble être la fin du niveau. Ouais bon, on a raté quelques caisses. Hein. Mais je sais plus, les caisses ça débloque quoi déjà? Ah oui, des gemmes là, des diamants. Ouais bah pour ceux qui sont fans des Sonic, c'est pas mal. Et les émeraudes là. Bon, par contre, si on trouve 26 émeraudes du jeu, on se transforme pas en super guerrier. Bon, bien essayé, Coco, mais bon, t'arrives pas aussi bien que le maître. Moi. Enfin, si je suis mieux animé et que le service d'animation soit mieux payé. Je pourrais faire des choses de fou. En attendant, je me fais défoncer par Crash. Et ça m'horripile. Ah, ce marsupial là, je peux plus le voir. Non, dégage. Non. Ah, heureusement que ce jeu n'est pas en 3D ou il n'est pas en VR. Hein. Ah, sinon, j'aurais les chocottes avec ça devant moi. Alors, je vais quitter le jeu là, parce que j'ai envie de faire le DLC avec vous. Le DLC, à ce qui paraît, il est hyper hard. Vu que j'ai une skill incroyable, je sens que tout peut arriver. Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de temps de chargement. Les lois dingues, ça me rend vraiment dingue et c'est une catastrophe. Et vas-y là! Ah, c'est bon. Alors, Crash Bandicoot number one. Alors oui, vous avez vu que Captain Obvious, alias Capitaine Néocortex, là, le docteur Néocortex, c'est un peu Captain Obvious de Bis. Et un peu surexcité. Il présente son titre. Ah, donc là, on va vers la N-Sanity Beach. Ah, ça, c'est pour se téléporter, là, vers la plage. La Playa avec Bryce Dona-ice. Ah, Stormy Ascent, ouais. Je pense que c'est ça, là, le niveau. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Ah ouais, non, mais c'est pas bien de dire ça. Ah, ça porte malheur, hein. C'est pour ça que j'ai raté 3 fois de suite mon bac. Chaque fois, on me disait bonne chance, et c'est bon, ouais. Ça toi là. Ouais, pour l'instant c'est pas très difficile, hein. Ils appellent ça difficile. En tout cas, ah ouais d'accord, je glisse. Oh là mais quel talent. On a récupéré Frankenstein quand il était vivant. Oh
Oh mais purée là! En tout cas, y a pas à dire, hein, les frais de péri que porte Crash, hein, sont vraiment solides. C'est un peu différent de la réalité, hein, Fred Perry, c'est pas une marque très conseillée. Oh purée, je vais essayer de faire le 100%, je vais essayer d'avoir toutes les caisses. C'est mon objectif number one. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça devient un petit peu ardu. Ah, ce piaf me fait penser à quelqu'un, là. Un certain César, non, comment, Rio. Mais oui, il est là, Rio. Et là, ce qu'il parle, à Crash. Ah, mais purée! Même en ange, Crash, il fait peur. Je vais quand même pas commencer à rage quit là. J'ai quand même perdu moins de fois que le niveau j'ai fait avec Coco. Mais ce passage a l'air corsé. Mais purée, c'est aussi dur que de faire un backflip arrière plus un headshot dans Call of Duty. Ah, là c'est la bonne, cette fois-ci c'est la bonne. Ah, je me concentre. Et vas-y là. Voilà, attention là. Là je me concentre. Oh là là, mais quel skill. Et en plus il me donne un boulbouka pour me porter chance. Quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? La plateforme elle va encore plus bas. Oh là, mais faut tous taper. Oh, ça veut dire que je vais devoir faire un... Je vais devoir monter tout ça sur Sony Vegas là. Faire un... Couper une partie de la vidéo. Purée, mais c'est trop compliqué pour moi là. Il y a trop de choses à couper là, je fais que de perdre. Ah ouais, purée, 13 vies. C'est à la fois ça porte chance ou ça porte malchance, je sais pas avec moi. Bon, après je suis pas trop superstitieux. Ah bah ça porte malchance. Vas-y. Oh, la skill, la skill. La skill parle, la skill parle. Oh là, on a réussi ce passage. Bon allez, on va écraser Rio. Ah, je suis désolé mon pote. J'ai besoin de ton dos pour continuer l'aventure. Ça se passe plutôt bien là. Oh là là, purée, il me balance ses conneries lui. On se croirait dans Splatoon là avec cette couleur. Je pense qu'on va abandonner l'idée de trouver toutes les caisses. Mais purée! Ouais, ouais, on va abandonner l'idée de trouver toutes les caisses. Ah, je fais mon kiki mou, hein, je sais, mais bon. Ah, même Parnokaïd, hein, ne peut pas tout faire.
mais purée, mais c'est hyper rapide. Oh, vas-y, j'ai réussi là. Attention là, c'est un peu moins rapide. Heureusement. On va choper ça. Oh là, mais c'est tout skill. Oh, mais ce passage, il est ignoble. Oh, mais vas-y. C'est au millimètre près, là. Ah, c'est bien, ils m'ont donné un boulga-boulga, là. Oh, vas-y, le boulga-boulga. Oh là là, j'ai réussi, là. Oh, purée. Ah, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Ah, il y a un niveau bonus. Ah, c'est bien, ça. On va pouvoir gagner de la vie grâce à Frankenstein encore vivant. Ah, mais je crois que j'ai fait un truc qu'il fallait pas, là. Bon, vas-y, bon, bah, j'ai pas fait tout le niveau bonus parce que bon, un peu trop compliqué là. Ça m'a saoulé au bout d'un moment. Oh la méga technique! On est à 42 sur 56, hein, on est pas loin de la fin du niveau. Méchant qu'ils vont faire. Un magnifique passage de fourberie. C'est vraiment des petits salopios là, ces développeurs. Hein. Pour l'instant ça se passe bien. Je peux récupérer 4 vies grâce au niveau bonus et ça c'est pas mal. Alors, on va à gauche. Purée. Ah mais fichtre. Oh là là, ça sent le coup de chance là. Oh là là. Mais c'est trop rapide. Alors ça passe en fait, ça passe. Ah et ça c'est trop lent. Ah purée. Oh mon dieu. Oh purée. Je voyais toute ma vie défiler devant mes yeux. Faut voir le rythme dans la peau là, faut jouer à Just Dance là. Je pense que là je peux y arriver. Ah purée, j'allais y aller en fait au moment où c'est le pire moment quoi. Vas-y, vas-y. Faut pas avoir peur la crash. Purée. Ok, ça fait ascenseur, très bien. Voilà, pas ça. Ça passe. Purée, il y a un checkpoint. Oh là là, il y a un checkpoint. Ah, mais ça veut dire que...
Ah purée, ça veut dire qu'il y a encore une grosse portion du niveau après. Ah mais vas-y là, mais c'est pas possible, j'ai que dalle en vie. Oh mais vas-y là, mais qu'est-ce qui se passe là? Fin de partie. Oh purée. Bon, je vais pas continuer là. J'ai trop la flemme de recommencer. Mais bon, c'était une petite vidéo de Pargne. Pargne le Caïd, une petite défaite, hein. Ça fait plaisir des fois, hein. C'est assez rare que Pargne soit vaincu. Mais bon, là, il a été vaincu. Voilà, sur ce, mes loulous, hein, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles victoires. Alors, je sais pas trop ce qu'elle fait, là, Coco, là. J'ai l'impression qu'elle est sur Snapchat. C'est quoi ce truc, là? J'ai jamais rien compris à Snapchat. C'est un truc où tu photographies ta chatte. Attends, je vais choper la chatte d'Oliver Plasma. Plein de vues et plein de pognon, oui. Ah, salut, Milka, là. À Saint-Gaz. Attends. On va faire une photo rigolote. Ah non, mais... Ah, je crois que... Elle s'intéresse trop à ça, là, ce qu'on voit là-bas, là. Faire des trucs avec ça, là. Ah, les croquettes. Voilà, photo rigolote. Oh, je sais pas si je vais gagner du blé avec ça, hein. Bon, voilà, c'était le petit bonus à 2 balles à la fin de la vidéo, wesh. Allez, à la revoyure.